Vidéo sponsorisée par Intérieur Maison. Braquage dans une chambre de passe. 7 caleçons et 22 soutiens-gorge emportés. Ah! Braquer là sont méchants. Il y a 7 maris infidèles qui ont été attrapés par la police. Voilà. Oui! Agent Charlie, repos. Chef, aujourd'hui je vous amène un cas d'escroquerie. Escroquerie. Cet escroc aura affaire à moi. Ok, faites-le entrer. Ok, agent Charlie, tu peux disposer. Je peux savoir qu'est-ce qui se passe? Le monsieur que vous voyez comme ça là, c'est un escroc. Un jour de passage. Good morning sir. Un instant s'il vous plaît, un instant. Voilà, y a rien de grave hein. Je suis un homme d'affaires, affairman. Voilà, aux États-Unis, je suis américain. I am American people. Yeah, I am American people. I traveling à l'ambassadeur of États-Unis in au Burkina Faso. Voilà, ça veut dire que je travaille à l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Yeah. Et c'est moi je distribue les visas. Voilà, I am distribute. Et désolé, mon français n'est pas bon vu que I am American. Donc mon français est un peu décalé. Voilà, I am distribute echelon your visa for the États-Unis. Je distribue les visas pour les États-Unis. Est-ce que tu vois? Wow. Voilà. Et facilement. Ah, et franchement, c'est génial. Voilà. Et c'est pas tout, hein? Ouais. En plus de distribuer les visas, en plus, une distribution sur your visa, je fais de telle sorte que tu aies une meilleure condition de vie aux États-Unis. Voilà, parce que quand tu vas là-bas, c'est pas facile, hein? C'est compliqué. Quand tu arrives là-bas pour avoir travail, c'est compliqué, tu vois. Donc, il faut être dans de meilleures conditions de vie, voilà, et dans de your meilleures conditions de vie, avancer, pour pouvoir your souvenir à your besoins, voilà, your nourriture, your habits, your lot, voilà, tout ça pour, tu vois, non? Donc, moi, déjà, quand je t'envoie là-bas, automatiquement, tu as un travail. Oui, c'est ça, tu as un travail, tu vis bien. Voilà, donc, à toi de voir. Mais c'est super ça. Je sais que tu as une fois voulu aller aux États-Unis. Bien sûr que voilà. Oui. Donc, avec moi, c'est gagné. Mais dites-moi, quelles sont les procédures à suivre? Parce que moi, je suis prête à tout. Hein. Yo, procédure is simple. Yeah. Il suffit juste de donner 1 million pour les frais des dossiers et je gère tout. 1 million. Ah, monsieur, considérez que vous avez déjà les 1 million. D'accord. Donc, voilà, on va déjà t'enregistrer. OK. Et après ça, est-ce que tu pourras donner les 1 million? Oui. Voilà, donc je t'enregistre, tu donnes les 1 million. Mmh. Voilà, et on gère. Mmh. OK. Et c'est comme ça que je lui ai remis les 1 million. Ça fait 6 mois maintenant que je le cherche. Heureusement, on a pu mettre la main sur lui. Monsieur, donc pour vous, la vie est très facile. Est-ce que vous connaissez la peine que vous pouvez écoper pour escroquerie? Ok. J'écoute à présent ta version des faits. Tu as perdu l'usage de la parole? Je t'écoute. Je vous écoute là, y'a quoi? C'est bon. Mais madame, ce monsieur est insoumis. Hein? Pour commissaire, il ment. Il ment même. Il parle très bien. Ok. Messieurs, arrêtez-moi cette comédie. Sinon, je vais vous faire du mal avant de vous jeter en prison. Ah ben, ok. Madame, on va pas trop parler. Hein? Voilà, je vais tout faire pour qu'il vous rembourse les 1 milliard et ensuite on va le jeter en prison. Non, hein? C'est pas 1 milliard, hein? Je lui dois 1 million! Donc tu parles. Bodakourou, tu parles! Tu vas voir ce qu'il va te montrer. Agent Charlie! Oui, chef.
Jette votre escroc en prison en attendant qu'on le défait. À vous toi, chef. Allez, lève-toi. Allez, viens ici. Lève-toi. Allez. Allez. Faut faire, il va boire café chaud chaque matin et à midi et le soir. N'importe quoi, le chef. Allez. Ok, madame. Voilà, je vais tout faire afin qu'on puisse collecter la somme qu'il vous doit. Voilà, et je vous ferai signe pour vous remettre. Ok, merci, commissaire. Merci beaucoup. Un Bouddha court comme ça. T'as 28 jours au sous-mieux ici. T'apprendras.